maintenant même. Bientôt. Recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu vous visite. Dieu m'a ouvert les yeux tout à l'heure. J'ai vu des milliers, des milliards d'anges. Plein d'anges. Avec des colis, plein d'anges. Ils viennent avec des cadeaux, plein d'anges. Ils suivent tous les secteurs. Dieu a décidé de te bénir maintenant. Regarde la puissance de Dieu. Regarde, quelque chose se passe dans ta vie. Recevez la délivrance maintenant. Reçois ta délivrance. Maintenant, la maladie en train de disparaître.
Recevez, amigo, recevez, amigo, le Saint-Esprit,
Feu!
Touchez vos ventres. Tout ce qui vont faire manger en rêve. Touchez vos ventres. C'est tellement en rêve qu'on vient manger quelque chose. Ils sont venus mettre quelque chose dans ton ventre. Pendant que j'ai prié, l'esprit de Dieu te fait vomir. Tout ce qui vont faire manger dans les rêves. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance. Maintenant même, lâchez-le. Feu! Feu!
feu dans son ventre. Le feu. Le feu consume tout ce qui avait introduit dans sa ventre. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Feu. 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 Attends, Come on!
La délivrance dans le nom de Jésus. Reçois maintenant même la délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance dans le nom de Jésus. Par que j'ai pris dans vos ventres, vous avez mangé en rêve. Tout ce qu'ils ont fait manger, j'ai détruit cette prison dans vos ventres. J'ai détruit cette prison dans vos ventres. Recevez la délivrance maintenant même, dans le nom de Jésus. Recevez ta délivrance. Recevez la délivrance. Maintenant, Jésus vous délivre. Jésus vous délivre. Maintenant même. La puissance de Dieu. La volonté de Dieu vous libère. Et maintenant. Dans le nom de Jésus. Recevez la délivrance. Maintenant même. L'esprit de Dieu vous délivre. L'Esprit vous délivre. Le Saint-Esprit vous libère. Là où tu as été, la puissance de Jésus te délivre. Je maudis toute la présence, la présence satanique dans ton sang, dans ton corps. Reçois la délivrance. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois maintenant ta délivrance. Dans le nom de Jésus. Le mal dont tu souffres part maintenant. La maladie disparaît. Elle disparaît. Maintenant. La maladie est en train de disparaître. Le mal est en train de disparaître. La maladie est en train de partir. La maladie part maintenant. L'Esprit te guérit maintenant. Le Saint-Esprit te guérit. Là où tu as arrêté, reçois ta guérison maintenant. L'Esprit te guérit. Parle. Reçois ta délivrance. Et ta libération maintenant. Reçois maintenant. Reçois. 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 J'en profite pour annoncer qu'il y a une grande veillée vendredi à Zaroko. Ce vendredi, on aura une grande veillée à Zaroko. Ouais, ce vendredi, il y a une grande veillée. Nous aurons une grande veillée à Zaroko à partir de 20h jusqu'au petit matin. Recevez la délivrance dans le nom de Jésus. Recevez maintenant la délivrance. Là où tu as été, la puissance de Dieu te guérit. La puissance de Dieu te libère. Elle te guérit maintenant. Elle te délivre maintenant. Recevez la gloire de Dieu.
là où tu arrêtais. La main de Dieu sur ta vie, elle te guérit, elle te libère, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et bien la demeure, je prophétise maintenant. Je prophétise la main de Dieu sur ce village. J'ouvre les portes de la bénédiction à ce village appelé Grand, les portes du développement. La richesse que tout projet de développement prend vie au nom de Jésus. Et toutes les femmes et les filles de Grand qui ne sont pas mariées reçoivent désormais le mariage. Et tous les enfants de Grand, les élèves, soient les meilleurs à l'école. Dans le nom de Jésus. Et ceux qui sont même à l'étranger, ils sont présents et partout dans le monde. Ils savent sur nous. J'ai mis la bénédiction de l'école. Ce dont les affaires étaient bloquées, et à l'instant même, que cette situation soit débloquée. Dans le nom de Jésus. J'avais le voyage était bloqué. Que le voyage soit maintenant débloqué. Je dans les finances étaient bloquées. Et la situation s'est débloquée. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Recevez la richesse. Recevez le mariage. Recevez la bénédiction. La promotion dans le service. Ne soyez pas humiliés. Et Dieu passe vous la tête, les hommes. Soyez la tête. Soyez les meilleurs encore. Désormais, la bénédiction de Dieu s'attache à vous. Aucune personne ne pourra vous arracher de cette bénédiction. Parce que la Bible déclare que la bénédiction de Dieu est souvie de tes chagrins. Désormais, celui qui va vouloir te manger, sorcellerie, il rencontre la main de Dieu. Je plonge ton âme dans le sang de l'agneau. Je plonge ton âme dans le sang de l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Je connais dans le sang de l'agneau. Je proclame la main de Dieu sur toi. La main de Dieu sur toi. Qu'aucun sorcier n'est désormais accepté. Dans le nom de Jésus. Nous déclarons consacrés à l'éternel. La Bible déclare, bien dit, celui qui obéit à ma parole, les ennemis seront mes ennemis. Et tes ennemis deviennent les ennemis de Dieu. Que Dieu fasse de tes ennemis la majesté. Que tu marches au nom de Jésus. J'envoie la mort dans le camp de tous tes ennemis. Et que tous ceux qui ont prédit retournent contre eux. La mort retourne dans leur camp. La pauvreté retourne dans leur camp. La misère retourne dans leur camp. Dans le nom de Jésus. C'était fait à soi sur le trône de ta vie. Désormais, on parlera de toi encore. Si on doit parler de quelqu'un, mais désormais de toi on parlera. Tu es le meilleur et le champion de ta vie. Au nom de Jésus, je t'établis dans la richesse, je t'établis dans la gloire. Que l'argent ne te manque plus. Que tu ne sois plus humilié. Toutefois, que tu frapperas de mort. Dieu t'accordera la bénédiction. Sois la grâce de Dieu. Nous ouvre les portes. On commence à demander quelque chose. On the place abide, Lord, shine on the place. On the place abide, Jesus, mighty Lord. On the place abide, Jesus, mighty Lord. On the shield on the place. On the shield on the place. On the shield on the place. Amen. Amen. Dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que tout le sol
de gros est désormais consacré à l'Éternel dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui vont vouloir pratiquer la sorcellerie sur le sort de gros, que ces personnes soient châtiées par Dieu. Amen. Que ces personnes s'en meurent. Amen. Et qu'ils n'ont pas de droit funéraire. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. La terre a des oreilles qu'elle enregistre ce que je veux dire. Il n'y a plus de pratique de sorcellerie sur ce sort de gros. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que tout ce que je lis sera lié. Je lis à jamais la sorcellerie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce qui était victime, lié, je les délie au nom de Jésus. Amen. Je délie vos victimes dans le nom de Jésus. Amen. Et avant la fin de l'année, avant qu'on ne rentre en 2015, que tous les sorciers de grands entrent sous cette terre. Amen. Dans le nom de Jésus. Parce que c'est désormais un nouveau grand. Une nouvelle génération. Sans sorcier. C'est maintenant que vous allez prospérer. Tout ce que vous allez toucher désormais sera béni de l'Éternel. Tout ce que vous allez toucher désormais sera béni de l'Éternel. Vous connaîtrez la prospérité. Vos enfants seront bénis à l'école. Vos femmes seront dotées. Elles seront les meilleures maris. Elles seront les meilleures femmes. Vous serez prospères. Dans le nom de Jésus. Dieu ne fait rien sans la parole du prophète. Que cette parole soit jamais scellée. Pour ce sort. Que tout ce qui a été dit négativement ne soit jamais vécu au nom de Jésus. J'annule toute forme de malédiction. Dans le nom de Jésus. Et recevez la bénédiction de Dieu. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous versez de l'eau. Ah, si vous voyez la maison, dans votre salon, dans votre maison, dans la cour, vous parlez de le malheur, toute présence de sorcellerie, pour neutraliser. Vous pouvez utiliser ça pour vous purger. Allez-y avec ça. La grâce vous accompagne. La croix n'a pas fini. Amen. Cette nuit, à partir de 1h du matin, les pasteurs vont consacrer le village. Amen. Vous allez ramener le rameau au pasteur. Et à 1h du matin, les pasteurs vont vous aider. Vous allez jeter la révélation prophétique. Vous allez comme ça à 1h du matin. Celui qui s'élève la nuit, si la chaussure se pratique la nuit, donc cette chaussure sera la nuit. Je vais donner les instructions. C'est fini. C'est bien. Amen. Nous venons de finir. Ah non, il n'y a pas de sorcier. Amen. Amen. C'est qui Yeshua en train de faire? Amen. C'est lui qui a attrapé son sorcier. Et puis vous avez pas répondu. Parce qu'il n'a pas donné de chance. Amen. 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 Regardez le résultat. Amen. C'est quelqu'un qui ne parle pas. Amen. Regardez tout le résultat. Amen. Nous sommes dans le monde où certains. Amen. Amen.
tout ce que vous allez toucher sera désormais béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous venons de régler le problème de grand. Le grand, allez-nous. Celui qui pense qu'il n'est pas fini. Amen. Je lui laisse la place de finir. Il n'est qu'à achever. C'est tellement simple. Si il n'est pas fini, bon. Et quand il y a mis nos années, mon père est mieux. Moi, il a fini pour moi. Amen, 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 il est mieux. Amen. Je ne joue pas avec ça. Et j'ai dit, à chaque fois, je prends un peu de recul pour réfléchir. Et il est pour lui. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a à faire. Et il y a la vie. Je lui dis, c'est ça. La loi, il y a des choses. Et nous avançons, nous avons fait les choses au rythme de l'esprit. Nous n'avons pas copié ici des choses. À partir de même, ici, je ne suis plus dans l'air puisqu'il y a une autorisation. Mais je veux vous voir vivre une expérience. Mais ça y est, la loi, avant de tout. Nous les prophètes, nous détenons les mystères. C'est ça que Paul va faire d'un prophète. Mais vous, il en sort prophète. C'est pas qui peut être prophète. Mais vous, vous avez un prophète. Nous voyons ce que vous ne voyez pas. Amen. C'est maintenant que vous allez venir. Ce qui nous intéresse, c'est votre témoignage. De prophétie la longévité. Ah, c'est le prophète dans le monde, personne ne pourra vous attaquer. Pourquoi vous avez dit que nous, le maladie, et sa vie? Il ne m'a pas dit, vous ne m'a pas dit. Vous avez dit, c'est pas. Entre vous et moi, qui doit attaquer, c'est moi. Non, ici vous les envoyez, mais moi, je vous dis qu'il est venu m'attaquer. Si vous n'avez pas pu, c'est pas cela. Le diable, il est comme, un lion. Voilà. C'est quoi? Rugit. Comme. Mais Jésus est le lion. La tribu. Vous connaissez l'histoire des lions? Vous connaissez la vie des lions? Vous connaissez? Moi, ça m'a amené à étudier un peu le lion.
vous savez que Abraham, le lion ne chasse pas. Jésus est comme le lion. Il est comme le lion. C'est lui l'époux de l'église. L'église est la lionne. Jésus est l'épouse de l'église. C'est Jésus qui rugit. Nous prenons nos bénédictions. Dis amen. Amen. Celui qui prie pour vous, son onction qui répond, c'est vous. Pour ça, il ne faut pas qu'il n'y ait pas qui vous impose la main. Que quelqu'un t'impose la main, il faut le maîtriser. Sinon, c'est l'onction. Amen. L'onction Dieu m'a donnée. Que ça soit en chien. Et en chino. Que ça soit en laine. Un drapeau. Il y a un drapeau sorcier. Et pour un j'ai terrassé tous les sorciers. Ce n'est pas pour un continent. Et nous, pour la compte, même bien. L'onction, c'est l'onction. Ça va rester. Et vous allez vivre ça. L'année. Ou même vous avez vu le dragon de vos proches. Je vous annonce. Vous allez voir sorcier. Parlez pas. Oh, pardon. Donc là-bas, je dis pour ça. Amen. Moi je crois trop la puissance. Malgré tout ce que vous avez entendu. Parce que la première des choses, c'est mon nom, salut. Il est comme ça. Moi, il est guérant le diable. Parce que tu connais pas mon histoire. C'est ça qu'ils te disent, qu'ils t'ont mis. Mais moi, Bambi, si tu es dans le faux, moi. Tu es le combat. Et là-bas, je vous assure. Parlez mal de moi, mais après le sorcier, parlez-moi là-bas. Parce que l'homme a droit à la vie. Vous ne voulez pas qu'on attaque sorcier. Il est pourquoi? Il est quoi? Le monsieur dit tu. Vous êtes compris ça. Amen. Quand tu vois une personne en danger, et puis tu n'assistes pas, non assistant une personne en danger. Moi je ne vais pas permettre aux gens de manger. C'est mon combat que je mène. On me critique, mais c'est normal parce que. Si on attaque ton papa, ça te dérange. Moi le juste à parler mal de Jésus. Sorcier fait pour qu'on les attaque. Pour qu'on détruise leur pouvoir. Et quand tu as dit ça,
Imaginez-vous les dégâts. Il faut assez de dégâts dans les familles. Ils vont manger les gens. Des personnes qui doivent développer. Et sur ces personnes-là qui sont tenues par les sorciers, ils attaquent les bras valides. Le diable n'a rien à voir. Il n'y a pas de vaurien. Mais la part de tous nos problèmes. Mais pas pour nous. Nous sommes dans les premiers livres. Ça va sortir. Il faut que tout le monde se mette dans ce combat. Nous ne faisons pas comme les gens pour les tuer. Dénoncer. D'abord. Et puis il faut libérer le sorcier. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Que Dieu bénisse. Pour ceux qui vont retourner au travail. Amen. Que Dieu vous bénisse. On parle avec nous. Vous allez contribuer à la délivrance. D'accord, bien conduit. Dans le lit de Dieu. Et j'ai le prix de son peuple. Quand on s'en jaloux, on le prévôt. A payé le prix de son peuple. On s'en est jaloux. On s'en est jaloux. On n'a pas besoin de ça. Allez, maintenant. Et là, on va, je dis. Tu as fait quoi pour développer ton village? Et moi, il y a un gâteau qui est ici. Mais là, il y a un gâteau qui est son village. Ah, vous trouvez dans moi? Fermez vos bouches. Attends, Nico. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont appelés à prier. C'est notre fonction. En état de vous. Non, on devait appeler chacun a sa spécialité. Pourquoi le nom? Tu envoies quelqu'un ici, quelqu'un d'autre. Grand. Il va le manger sans graines. Voilà, dit. Les gens ils se sont traités. Ah, pourquoi vous êtes? Vous les envoyez ici. Non, il veut. Elles sont pasteurs, il y a d'autres prophètes qui ne sont pas appelés à l'église. Ah, ouais, vous les envoyez ici. 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 Mais ils sont sur les lits d'amusement. Ah, pourquoi vous êtes ici? C'est que moi je vois. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Ah, mais bien, la grâce de la grâce. Parce que Dieu m'a appelé. Il ne me disait rien. Pourquoi vous êtes ici? Il est réel, il me dit. Et moi, quand il est là, je vais. Dans le secret, ça n'a pas été facile. Ah, il a pas été facile. Tout se prépare dans le secret. Et pour prier, vu que tout. Il y a eu guerre de communication. Quand vous voyez, on a levé. Il y a des gens qui sont partis. Quoi, hein, mais... Ils ne sont plus revenus. Moi, ouais, j'ai arrivé hier. Moi, ouais, il y a eu un arrivé pour lui. Bon. Et vous, vous voyez, dans la prière. Et vous, si c'est ton plan. Merci, mon frère. Et vous, parlez. Le jour qui m'a découvert sur le net. L'enfant de Gros. Il n'a pas peur de dire qu'il est l'enfant de Gros. C'est ce que tu as habitué de me dire, l'enfant de Gros. L'enfant de Gros. Quand il est venu d'Italie au funérail de sa mère, il m'a appelé pour dire que le programme a lieu. Il a réuni les gens. Oh, pourquoi vous? Parce qu'il faut s'associer à des personnes qui voient la même année que toi. Et là, on n'a pas pour la moyenne à conseiller le loco. On m'a critiqué. Vous connaissez même pas quelqu'un. Allez, quoi? C'est vous qui parlez mal. Là, il faut aller, oui, pour vous. Avant de parler de quelqu'un, il faut le connaître. Et quand vous voulez, il me l'a encore. Moi, si lui, il est mauvais là. Et là, vous voulez, vous voulez. Et là, c'est ça. Mais on va faire bien d'abord. On ne dit pas mal de lui, mais si il est dans la vérité. Qui a la malédiction? On ne parle pas mal des noms de Dieu. On vous dit, venez évangéliser. Vous dites, vous êtes l'église. Je suis passé, j'ai vu l'église, c'est Dieu. Nous, on n'est pas ici. Viens t'en parler. Mais chez moi.
C'est toi qui viens prêcher. Nous sommes là pour enflammer les gens. Viens t'en prendre. Non, comme c'est Crasso qui prêche. Tu veux pas. Toi tu prêches que l'évangile. Nous de la vérité. C'est pas de l'orgueil. Moi je comprends que vous. Quand vous allez vous voir prêcher, c'est de l'amusement. Amen. Que tu es nos aides. Donc, nous. Cette ordure, les gens ne sont pas bénis. Quelle église vont là-bas? Les sorcelleries. L'église, André, allez chez Féticheur. Quand tu vas dans une église, deux semaines, trois semaines, ta vie doit changer. Mais l'église doit changer les gens. Ça ne te change pas. Il faut quitter là-bas. Tu ne vas pas à l'église, va être même chose. Que Dieu change ma vie. Parce que Dieu pasteur, je suis venu sa vie. Je ne vois rien. Il n'en faut pas à volonté de Dieu. Je ne suis pas venu pour volonté de Dieu. Pas encore. Dieu a fait mon miracle. Amen. Voilà que Dieu bénisse. Reste confrère. On va s'entraîner. Les pasteurs vont prier. Ils vont aller dans le dispensaire. Je vous ouvrir les portes, vous aider à réaliser cet projet. Je ne vais pas vous lâcher. C'est mon combat de la région. L'église elle doit être un moyen de développement. Après la prière, le 9, la semaine prochaine, nous allons attaquer Zaroko. Nous voulons réhabiliter le dispensaire. Ça sera fait. Le dispensaire est là. Les gens meurent. Moi j'ai décidé d'aller mes relations. Et vous n'avez pas réalisé les dispensaires. Donner, financer les projets des femmes. Non, moi, parce que nous n'avons pas eu une église qui tend la main seulement. Et nous avons donné pendant. L'église va donner. Oui, parce que Jésus a nourri les gens. Jésus n'y a quoi? Ah non, non, rien, Jésus. Ah, d'accord, Jésus dit moi. C'est là qu'on l'a nourri. Amen. Une église. Parlez où les pasteurs mangent seul. C'est pas un bon pasteur. C'est un pasteur n'y a où. Parce que lui aussi est chrétien comme toi. Si il donne, lui doit donner. Demandez à ceux qui sont autour de moi. C'est pas de l'orgueil. Je compte 50 000, je donne 100 000. Sans problème. Je vois Dieu. Et quand on prie à l'image de Dieu, tu verras l'éternel ton Dieu. Il sait que 10 000 francs va t'aider. Oui, les gens, ils voient ici 10 000 francs. Ils connaissent la vie est difficile. Pourquoi est-ce que donne à moi, tu me donnes 50 000 fois, tu peux me dire. 50 000, c'est bon. Ben, tu sais quoi, 100 000. L'église. Pardon? Ne doit pas celle qui tend la main. On est dans autre chose. Elle doit aussi donner. Vous voyez, nous allons vous aider à réaliser ce projet. D'accord, oui. Surtout que le dispensaire, ça m'intéresse. Non, peut-être que je vais m'en demander. Nous allons essayer de voir ça. À qui on va dire? Par la grâce de Dieu. Vous voyez, vous promets. Et ça va être. Que en vente descend. D'accord, je vais revenir avec mon équipe. Et là, quoi, oui. Nous allons évangéliser. Allez, oui, nous allons voir deux nuits. Nous allons organiser nous-mêmes. Venez ici. Nous allons voir, revoir votre nouvelle vie. C'est important. Pas pour venir à l'église, non. Nous savons que nous avons des frères ici. Et des sœurs en Christ. Nous allons venir, n'est-ce pas, prier avec nous. Soutenir tous les gens.